Salut mes petits loups, c'est Néron, on se retrouve pour l'épisode 13 de Condemned Criminal Origin. Donc on avait trouvé apparemment Carl Anderson. Non, pas Carl Anderson, on a retrouvé son professeur, enfin en tout cas, on a retrouvé le fils de pute qui est là. Il lui avait découpé la bouche, et il lui avait coupé donc un bras. Et c'était donc son bras à lui qui pendait autour de l'anneau comment dire, du terrain de basket. Voilà. D'accord, c'est lui qui avait la pelle dans son placard. La foutue pelle que j'ai cherchée pendant 36 000 ans. Ok, bon, alors. On y va mollo, mais on y va. Ok, donc là c'est là. Putain, j'ai des coups de frise, c'est bizarre, je les avais pas avant. On y va, on y va. Putain, les frises de merde! Ça veut dire quoi ça? Putain, mais il y a du frisoté, y a du friso, hein. Il y a du frisoté. Bon, en même temps, le jeu, j'ai envie de vous dire, l'install a été chaotique. Donc peut-être que, je sais pas, je joue sous Windows 8.1. Peut-être que ça joue aussi, j'en sais rien du tout. Ou peut-être que simplement ça vient du jeu, j'en sais rien. En tout cas, il tourne en full de full de full, donc bon, y a pas de souci. Bon, de toute façon, je fais tout tourner en full, je veux dire, j'ai une bête de compète, y a pas de problème niveau PC. Donc c'est pour ça que je me demande d'où ça vient quand il y a des petits coups de frise comme ça, c'est très très louche. Ah oui, putain, je me souviens ici, il y avait un vieux combat à faire dans la piscine là. Eh ben on va y aller, hein. Allez hop, c'est parti mon gars. Hop là, ça c'est pour la science les enfants. Alors, les mecs ils tombent du plafond comme ça mon pote, il y a 25 mètres, très au calme les types, hein. Très très au calme. C'est quoi qui pend là? Ah oui, voilà c'est ça, je me souviens. Le petit kawa qui va bien. Bon alors, ils arrivent d'où ces putes? Voilà, c'est ça qu'on voulait voir monsieur. Oh, tu vas prendre un coup de taser dans le museau mon grand. Pas me casser les roubignoles. Alors. Putain, je pars. Une seconde trop tôt quoi. Vas-y, dégage, je vais pas t'exécuter mon vieux. En plus, on dirait qu'on est encore dans une alu bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que bon. D'ailleurs, ça n'a aucun sens quoi le décor comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Putain, j'ai envoyé de la barbaque là. C'est chaud niveau vie un peu, hein. Oh là là, ça se rencontre. Ouais, bah ouais, c'est sûr, on est dans un délire psychométrique, j'allais dire. Je sais même pas si ça a un sens de dire ça. Ah bah, ok, d'accord, en fait, tu traverses juste la piscine. Très, très lourd. Alors, on y va. Ok. Y'a pas un oiseau là-bas dans le fond ou c'est moi qui raconte de la merde? Non, ouais, je raconte, bah, de toute façon, en même temps, avec le nombre de merde que je débite par seconde, mon frère, c'est pas étonnant que je raconte de la merde encore une fois. Mais attends, mais... Attends. Parce que là, il me faut la hache. Mais... Où est-elle, du coup? Peut-être ici, alors. Ah oui, voilà, elle est là. Ok. Ouais, allez, on y va, mon poulet. Putain, je me suis... Putain, j'ai pas lancé le chrono, les gars. Putain, mais je déconne avec ce chrono de merde à chaque fois. Bon, bah c'est parti, bah ça fera une vidéo de 22, 23, 24 minutes, j'imagine. Au lieu de 20, c'est pas bien grave. Alors... Oh lui! Oh la dégaine du gars! Ah, nickel. Putain, les frises de merde! J'en avais plus pendant 2-3 minutes et c'est reparti quoi. Oh là 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 là. Oh!
Putain, cette enculerie quoi, il a pop derrière quoi, y a pas d'autre mot. Ici, il me faut une masse. Voilà, masse nécessaire. Ok. Donc en gros, en fait, tout simplement, là, je vais choper la masse dans les douches loufoques. Je reviens, j'explose la porte de là-bas. Comme ça, je sais où faut que je me dirige direct quand j'ai la masse. Alors attendez, on va faire cabine par cabine, comme ça on passe au chier dessus. Ok, ici j'ai vu il n'y avait rien, donc bon d'accord, donc il n'y a absolument rien à part du sang, mon pote. Dexter serait aux petits oignons ici, mon gars, c'est moi qui te le dis. J'ai entendu respirer louche. Ah non, putain, c'est moi. Oh! Eh, le jeu il était. Le jeu il te rend psychopathe à moitié quoi, c'est un vrai bail. Bon, ça doit être sûrement par là la masse. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Il est une alu encore. Ah, putain! Je peux rien faire, les gars! Oh là là! Oh, la puissance démoniaque du mec! Wow, c'est quoi ce dé... Wow! Carrément! On a pris archi cher! Ah ouais, d'accord, en fait, tu changes de chapitre comme ça, quoi. Très louche. Работал в течение 40 лет, но был закрыт всего лишь 10 лет назад, после сильного нашествия яблочных паразитов. Питомник никогда не восстанавливался. Любопытно. Судя по окружным сводкам, он принадлежит частной фирме, занимающейся продажей недвижимости. D'accord. Ok, bon, bah, allons voir l'exploitation de pommes, là, je sais pas comment on dit. Ah, putain. Ouais, bon, c'est pareil. Oh, l'autre, il est encore là, le Venom machin, là. Mais il ne s'arrête jamais, lui, ma parole. Mais lui, il est toujours là, hein. Donc, 3 oiseaux trouvés sur 6, 2 pièces sur 3, vous avez gagné 4 prix d'exploit. Chapitre 8, oiseau de bronze, écran test. Chapitre 8, prix de réussite, maître de l'arme à feu. Arme favorite, fusil de chasse, coup 1, ennemi tué 38, combat à l'arme à feu 10%, ok, d'accord, corps à corps 41%. Ah, lourd, hein, j'ai plus de corps à corps que d'armes à feu, hein. Un coup, but, d'accord, bon, bah, très bien. On y va, monsieur. On y va, on y va. On va aller voir l'exploitation de pommes, avec le Valdum, je sais pas quoi, là. Il est louche, lui, ma gueule. Il est très, très louche, en fait, ce mec-là, quand tu regardes bien. Le Yeuve là qui est toujours là en train de nous dire j'étais de l'autre côté de la rue, je suis un ancien ami de ton père, je t'ai connu quand t'étais petit. Lui je le suspecte à mort d'être dans le coup quoi. Il doit connaître le comment dire, le tueur à mon avis. Alors soit c'est notre frère, j'imagine, soit c'est le fils de ce mec là. Je sais pas, c'est bizarre. Ou alors peut-être qu'il connaît très bien le tueur là, le X. Et que en fait le tueur X tue sur les ordres de ce mec-là. C'est tout à fait possible ça aussi. Hein. En tout cas, l'histoire est grave prenante hein, pour le coup. Du coup, j'ai peut-être me faire condamner deux dans la foulée, dans le sens où bah, pour rester dans le délire, quoi. Sauf que le 2, il était beaucoup plus sombre. Alors déjà, vous voyez, on n'y voit que dalle. Mais il était beaucoup plus sombre le 2. Et ça, c'est un truc qui m'avait gêné un peu. Au pire des cas, je montrais la luminosité, mais je vais essayer de le trouver sur PC du coup. Parce que je l'ai sur 3.6 en fait, je l'ai sur 3.6 et j'ai celui-là sur PC, donc c'est un peu bordel. Au pire avec la 3.6 je pourrais capturer le gameplay avec mon Avermedia, mais ouais bon, je verrai. Oh quoique si, pourquoi pas le faire sur 3.6 aussi. Je vais voir, je vais voir.
Allez, monsieur, s'il vous plaît. Oh, le temps de chargement sans fin. Ok. Donc on est sur la route. C'est parti pour le champ de pommes. Так зачем ты здесь? У меня чувство ответственности. Я должен помочь. Помочь? В моем расследовании, что ли? Да, среди прочего. Когда-то я думал, что я лучший детектив, когда-либо работавший в бюро. Но теперь похоже, что они интересовались мной по другим причинам. О чем ты? Я видел свой файл. Очевидно, я для них что-то вроде циркового уродца. Это вряд ли поможет. Интересно, насколько много им известно о том, что происходит? Тебе нужно как можно дольше держаться от бюро на расстоянии. Похоже, у меня не такой уж большой выбор, с тех пор, как они считают меня убийцей полицейских. Их смерть была трагической случайностью. Однако, может, оно и к лучшему. К лучшему? Похоже, ты знаешь о том, что происходит, намного больше, чем кажется. Это питомник Эпплсид. Будь осторожен. Я высажу тебя возле дома, неподалеку от амбара. Встретимся позже. D'accord. Traquer le tueur en série X et le tortureur. Ah, parce qu'ils sont deux en fait, ces fils de chien. L'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Photographier le... J'ai pas Связь capté. установлена. Передавай. D'accord. Ok. Ah oui, ok. Получила. Странно. Но это может быть важно. Осмотрись, могут быть еще куски этой загадки. Ouais, bon bah on va les faire un par un. Le mec, il est sérieux, quoi. Bon là normalement il devrait pas y avoir les drogués ils résistent en ville non? Enfin, je dis ça mais ils sont tellement farfelus dans le jeu que ils sont capables de te les mettre aussi ici ces putes. Putain le mec s'est fait chier à écrire au stylo qu'on ne voit pas tu sais à l'œil nu. Putain mais le type! Ok. Возможно, улика. Постарайся найти еще. Ok. Donc du coup, bah, on va continuer, on va faire l'autre. Je crois que c'était par là. Ouais, c'est par là. Attendez, bougez pas, je cale bien le chrono. Là, histoire de voir ce que je branle, bordel. Ok. Donc on a fait celle-là, donc on va faire celle-ci. Putain, il va où celui-là? Mais il va où, bordel? Putain, attends. Il va là-dedans, peut-être? Ah oui, voilà. Ah oui, en fait, c'est celui-là. Oh là là, le bordel improbable! Ça monte à l'étage. Oh! Mais le mec, gros gros taré quoi. Le gars qui a écrit ça là. En plus, c'est, je sais même pas si c'est vraiment une écriture, on dirait des gribouillis qui se répètent et qui se répètent. Les mecs, ils ont fait CTRL-C, CTRL-V tout le long pour programmer le bordel quoi.
Ah, c'est sa chambre. Enfin, on dirait une chambre de gamin avec les lettres et tout comme ça. Faire archi penser à une chambre de môme. Masse nécessaire. Ok. D'accord, bon, bah ok. Donc il faut que je trouve une masse pour ouvrir la putain de porte. Bon, alors. C'est quoi ça? Ramasser canalisation. Oh, je vais la ramasser. Enfin. Je sais pas s'il faut que je prenne une arme là ou si c'est juste de l'enquête. The Dark Path, je sais pas ce que c'est. Alors. Prendre la masse, là on est bon, on est full vie. Ici c'est fermé, c'est close-eyed. Bon, attendez, je vais pas trop m'aventurer dans cette baraque parce qu'elle est assez flippante quand même, cette pute. Donc là on monte au grenier. Putain, le mec il a des couilles en ferraille quoi pour monter à la lampe bleue comme ça dans un grenier loufoque, dans une baraque, dans la campagne. Mais jamais de la vie quoi. Jamais de la vie. Bon, ça va m'emmener où cette merde? Mais il y a passé combien de temps du coup à écrire ces conneries sur le sol? Oh! Mais putain! Ah! Mais c'est... Putain, ça m'a fait flipper cette merde! Il est vraiment chaud, lui. Ok. D'accord, ok. D'accord, ok. Bon, bah alors attendez, bougez pas, là. Alors là, mon petit copain. Je vais t'allumer le cul direct. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sans la lampe bleue au final, parce que comme ça, dès que lui il arrive. Alors attendez, je vais même faire un truc plus tactique. Je vais aller choper en fait la canalisation. Voilà. Parce qu'avec ça, on peut parer plus vite. Les coups sont plus rapides. Donc le combat sera du coup forcément plus long. Mais au moins, mon agilité a pris quelques points d'XP là pour le coup. Parce que la masse, c'est pareil, ça te ralentit à mort le cul. Bon, j'ai été de l'autre côté, il est venu. Ok, donc il y a que qu'on. Ok, donc on se bat dans l'autre pièce. C'est parti. Il est là. Ah, il arrive de là-bas. Allez, viens mon grand. Je vais te botter le cul, mon salaud, depuis le temps que tu me pourris la vie. C'est bon quoi. Mais c'est qui ce mec là? Faut me dire c'est qui lui. Ouais, il est chaud. Ah ouais, il fait des... Ok. Ah, c'est ça qu'il a. C'était ces bâtons là là. Bah ma gueule. Je préfère y aller à la canalisation, mon vieux. Parce que je t'avoue que... C'est très chaud cette affaire. Lui il est manie drôlement bien. Il est un peu genre je dirais qu'il fait pratique des arts martiaux le bordel quoi. Mais regarde-moi cette baraque au milieu de nulle part. Mais t'as de quoi te chier dessus mille fois quoi. Bon alors attends. Ça va où les écritures là du coup? C'est quoi ce merdier? Ça va là, ça va là. C'est tout? Comme on fait monter. Ah, ça va là-dedans. Et là, il va me falloir... ils me disent pas ce qu'il me faut. Bon, bah attendez, je vais redescendre du coup. Je vais redescendre, je vais redescendre. Et puis... Et puis, je sais pas du coup comment ça va se dérouler ce truc-là. Ah d'accord, donc ok, non, je peux pas redescendre, donc c'est la solution est forcément en haut, quoi. Alors attendez, j'ai peut-être oublié une connerie encore, comme tout à l'heure, là, avec l'histoire de l'appel.
grande planche. Ouais, non, ça m'intéresse pas trop cette affaire. Faut peut-être que je ramasse l'un de ces tubes en finale. C'est peut-être avec ça qu'il faut que je me démerde. Ou faut sauter peut-être dehors là. Non mais non, on peut clairement pas passer ici de toute façon. Attendez, mais je comprends pas là. Parce qu'il y a bien, il y a clairement une pièce derrière. Mais attends. On est pas trop mal au niveau du temps. Ok, on reste 4 minutes. Attends. Là, je comprends pas le délire. Bon. La ligne, elle va là. D'accord, elle monte du bas, on l'a suivi. Ça, on est au courant. Ok. Bon. Donc ici, il y a clairement rien. Donc là, ça va de toute manière, ça va là où on peut pas passer. Ok. Ah d'accord, en fait quand tu n'utilises pas la lampe, bah j'ai pas compris alors. Là il y a pas les planches quoi. C'est très louche. Donc, il vient de là, il est où, il est là. Oh là là, les énigmes de merde. Ta Rosa doit bien s'amuser au labo avec les photos pourries. Ouais, une pièce du puzzle, continue de chercher. Ok. Ah d'accord, ok. Je croyais qu'elle s'ouvrait vers dans l'autre sens. Ok, donc le dernier qu'on n'a pas fait, c'est... Ah bah attendez, il n'y a peut-être même pas besoin de descendre en fait. Vous savez quoi les gars, je vais sauvegarder quand même. Parce que si je me fais buter là par l'autre taré, parce que j'imagine qu'il va revenir vu comment il a l'air d'éther. Voilà, c'est bon, c'est save. Voilà, bon, alors... Ah bah voilà, vous voyez, il n'y avait même pas besoin de redescendre. J'allais descendre comme un con pour suivre ce truc-là, mais non, en fait, pas besoin. Ah mais c'est... Mais attendez. C'est quoi ces conneries, là? Elle va où, cette putain d'écriture? Elle va là-dedans? Attends. Ah non, elle va là. Là. Bah, mais merde, alors. Bon, attends. Finalement, je vais devoir redescendre. C'est méga sombre de ouf. Donc on a fait celle-ci, celle-ci. Il y a celle-ci qu'on n'a pas faite. Mais elle monte. Et celle-ci... Attendez. En fait, non, c'est celle-ci que j'ai pas faite. Ok. Oh, les volets qui claquent et tout, le mauvais délire, la baraque. Mais bordel, on y est déjà passé ici. Oh, j'y comprends que dalle à cette merde, attends. Bon, c'est pas bien grave, de toute manière. On se retrouve immédiatement pour l'épisode 14, mes petits loups. Vous ne bougez pas, on enchaîne cette merde tout de suite. Des bisous, mes petits loups, prenez soin de vous. Ciao.